La grotte du génie. Et... Allez, bim. Ça, c'est fait. Ah non, est-ce que c'est pas un espèce de marteau ici? Je t'ai dit que j'allais te faire un quiz. Non, c'est pas un marteau. La statue sans bec vous parle, mais vous ne comprenez pas ce qu'elle dit. Bonsoir, il est long le jeu. Si c'est une question, je ne sais pas encore, Flo. Bonsoir à toi. A priori, pas tant que ça. Mais je saurais pas te dire exactement combien de temps. Hé hé, pirouette cacahuète. Nice. Ah ah oui, je me souviens de ça. Hop là. Ça c'est fait. Ah non! Je viens de regarder une vidéo de poisson fécond juste avant. Ça fait quoi de manger McDo matin, midi et soir pendant un an? C'est pas joli. Franchement, ça fait rien du tout. Tout dépend de ce que tu prends, Nanatoro. C'est sûr que si tu prends un coca 50 centilitres, tu prends le 280, un sundae chocolat avec plein de chocolat, ouais, c'est pas joli. Mais ça sera la même chose si tu manges 3 côtes de bœuf matin, midi, soir, quoi. Le bracelet de force, il me semble. Il me semble aussi. Faut compter une dizaine d'heures de jeu pour finir, et sûrement un peu plus si tu veux le poncer à fond. J'hésite entre la Switch et la Switch Lite. Prends la Switch. Honnêtement, prends la Switch. Qu'est-ce que j'ai loupé ici? Il me faut les bracelets. Non. Hein. Hé hé! Switch Lite vaut pas le coup entre les deux, c'est clair. Il y aura des jeux auxquels tu pourras pas jouer apparemment. Puis franchement, à part si tu joues vraiment que en mode portable, il y a très très peu d'intérêt. Hein. Allez, ça c'est fait. Breath of the Wild est compatible dessus. Je sais même pas, tiens d'ailleurs. Ils ont corrigé les rayures à cause du dock. Honnêtement, pour les rayures, t'achètes juste un verre trempé à mettre dessus, ça te coûte 7 ou 8 euros et puis c'est réglé. Hein. Moi, j'ai aucune rayure sur ma Switch et je l'ai acheté. Enfin, c'est une des premières versions. C'est pas la nouvelle. Je rate rien ici. Hein. Non, on dirait pas. Ouah, ça m'aspire! Bon, je suis full, mais c'est pas grave. Hop. J'aime pas laisser les trucs traîner.
Ouais, c'est sûr que ça va être le bracelet de force parce qu'il y a plein d'endroits où je peux pas aller là. Faute de bracelet. Je n'ai pas non plus de rayures ni de verre trempé et c'est aussi le premier modèle que j'ai. Ouais, ça dépend aussi à quelle allure tu le mets dans le dock. Hein. Ouais, il y a une nouvelle version de Switch qui est un petit peu plus puissante, le processeur consomme moins. Donc elle chauffe moins, etc., etc. Et les Joy-Con sont peut-être un petit peu plus solides. Le bracelet de force, vous allez pouvoir soulever des plots et des pierres. Merveilleux. Si j'actionne les deux, ça fait rien. Non. J'ai vu aussi qu'il y avait une déformation d'écran à cause de la chaleur du dock. C'est pas impossible, ça. C'est vrai que ça chauffe énormément quand tu la mets dans le dock. D'ailleurs, c'est pour ça que moi, j'ai acheté un truc externe. Enfin, genre c'est un adaptateur hein, qui équivaut au dock. Et quand il a fait vraiment très chaud... Alors, je dis pas tout à fait vrai. Quand il a fait vraiment très chaud, je n'ai pas joué à la Switch de toute façon puisque j'avais pas de jeu dessus à ce moment-là. Mais ça peut aider pour l'été, ouais. Impeccable. Mais arrêtez de fuir là. Après j'ai pas la boussole mais il y a peut-être un coffre si je les fume tous. Non. Même portable, la Switch chauffe de ouf. Et le bruit du ventilo, j'en parle pas. Moi, alors je sais pas si ça vous le fait mais c'est la vibration des Joy-Con. Ils font un bruit ultra bizarre sur... sur la Switch quand je la prends en mode portable. Non. On pouvait jeter en travers sur Game Boy? J'ai désactivé la vibration pour être tranquille. Mais est-ce que t'avais ce problème aussi? Genre ça fait... Bon, je l'imite un peu mal, mais c'est pas loin de ça en fait. Hein. Non, c'est pas le ventileur, c'est pas le ventilateur, pardon, c'est... C'est vraiment la vibration du Joy-Con de droite d'ailleurs. Il fait un bruit bizarre quand c'est sur le dock. Même d'ailleurs sur l'espèce de morceau de plastique qui sert de manette. Ça me le fait aussi je crois. Ah merde, fallait prendre un pot je crois. On n'est pas assez lourd. Putain j'en ai des souvenirs quand même. On arrive à me souvenir de ça. Elle est à 300 la console de base. Ouais, mais tu peux l'avoir à moins cher. T'attends qu'il y ait un quoi? Une offre à la Fnac, Amazon ou c'est discount. Souvent c'est à 270, un truc comme ça. Ça va être bizarre ce truc là. Bah du coup c'est le boss ici, donc c'est pas ici que je devais venir. Leclerc 150? Comment ça 150? La nouvelle Switch? Non, it's not possible. Il se ferait dévaliser en 2 secondes.
Déjà le deuxième instrument? Ouais, déjà. Tu parles de toi ou de moi? Pourquoi ça fait totent? Il y a un ordre. Il y a un ordre pour les tuer. Il y a carrément un ordre. Moi? Ouais. Il y a carrément un ordre. C'est pour ça que la chauve-souris, elle venait pas tout de suite. Pas ça non plus. Mais c'est chauve-souris, fantôme, lapin. Mais c'est chaud dans Awakening, tu fais que donjon sur donjon, il y a peu d'annexes, c'est vrai. Dans celui-là, je sais pas par contre s'ils ont rajouté des trucs. Ah, c'est pas ça non plus. Peut-être que je trouve un hibou, il va me donner la réponse. Hein. Il me manque lapin et n'importe quoi d'autre en termes d'ordre. Ça, c'est pas ça non plus. Donc c'est lapin, chauve-souris, fantôme. C'est le seul qui me reste là. Et si c'est pas ça, bah ça veut dire que je me trompe et que c'est pas ce qu'il faut faire ici. Ce qui n'est pas impossible, soit dit en passant. J'ai peut-être carrément inventé ça. Merde. Putain, le dernier, je réussis quoi. Donc voilà, vous le saurez, hein, c'est lapin, chauve-souris. Pardon, chauve. Si, lapin, chauve-souris, fantôme. Et là, c'est win. Ah, déjà la clé du boss? Mais j'ai même pas fait la moitié du donjon, j'ai l'impression. J'ai menti, j'ai quasiment tout fait. Soit je vais niquer le boss tout de suite, soit je finis ce qu'il y a à finir. Après, au pire des cas, j'aurais pu revenir. J'aime bien les coups d'épée super rapides. Alors, où est-ce que je peux aller? Ouais! Non, clairement, on n'avait pas autant de rubis dans l'autre, je pense, hein. Soit c'est parce que j'avance quand même assez vite, soit je vois pas trop. Alors il me reste quoi? Il me reste à gauche et en bas. Et j'ai une seule clé par contre. Je vais commencer par là. What? Des thunes, ouais, on aime ça. Attends, ils m'ont fait venir ici juste pour ça? Mais elle est où la dernière petite clé alors? J'ai même pas la boussole en vrai, je viens de me rendre compte. Tiens!
Ah bah elle était là, c'est vrai. J'avais oublié que je l'avais fait tomber. Heureusement, ma mémoire m'a dit que j'étais pas allé à droite ici, que j'étais descendu en premier lieu. Mon cadeau, vite! Oh bah ça va m'être utile, ça, dites donc. Maintenant que j'ai tout ramassé. Si je prends le téléport, ça va m'amener là-bas. Est-ce que ça va pas me rapprocher du boss? Ce sera plus rapide, je pense. Allez. Ouais, faut combattre un génie. Prends la tronche. Attends un peu que je m'occupe de toi, nia. Je ne peux pas bouger, mais ce n'est pas grave. Ta petite épée ne pourra pas briser cette jarre. Même ces murs semblent bien plus solides que ton cure-dent. Mais non, mais faut pas dire tout ça. On aurait trouvé tout seul. T'as pas commencé le fil rouge, il commence par la peluche sushi. J'ai pas compris. Mais non, j'ai pas fait la peluche sushi. Faut que j'aille la récupérer au jeu de pince. La quête annexe principale? What you talking about? Cool! Vas-y mec, c'était bien sympa. Moi j'y vais, good luck, à demain. Salut Sadis, bonne soirée mec. Vous avez obtenu la conque de l'écume. Allez, joue.
La prairie t'attend. La prairie.